paraît presque un peu intimidé pour sa première rentrée des classes. Un baptême du feu pour lequel Pape Ndiaye est venu bien accompagné. Certains prédisaient, voire auraient souhaité que ça se passe mal. Ben, grâce au travail qui est mené par toutes les équipes, par le ministre et toutes ses équipes, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a une rentrée qui se passe bien. Une rentrée à haut risque pour le nouveau ministre, avec une urgence. 4000 postes toujours vacants au cœur de l'été. Il y a une semaine, l'ancien professeur et agrégé d'histoire se voulait rassurant, malgré les 1000 enseignants encore manquants. Il y a donc deux écueils à éviter. Peindre les murs tout en noir ou les peindre tout en rose. Oui, nous avons des difficultés de recrutement, mais nous y faisons face pour la rentrée à venir, tout en préparant des réponses pérennes. Mais en attendant, la solution à court terme, ce sont les contractuels. 3000 ont déjà été recrutés. Pour devenir professeur, une seule condition, avoir un niveau Bac plus 3. Anna, 31 ans, fait partie de ceux qui ont tenté leur chance. Elle a accepté de témoigner de façon anonyme. La jeune femme a déjà suivi un cursus de professeur des écoles, mais n'a jamais obtenu le diplôme. Cette fois-ci, les choses se sont avérées beaucoup plus simples. Un contrat signé, après seulement 30 minutes d'entretien. On m'a posé des questions relatives au fonctionnement général, très général, hein, de l'école élémentaire. Donc, comment était découpée l'école élémentaire, les cycles, etc. Et on n'a eu aucune question de connaissances théoriques à proprement parler, pas de mise en situation de mathématiques, de français, pas de vérification de maîtrise des programmes en tout cas. Avant d'être lâchée dans le grand bain, elle bénéficie d'une formation express de 4 jours, très insuffisant selon elle. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est surtout de ne connaître qu'au dernier moment son affectation. Le fait que j'ai pas d'affectation, concrètement, ça veut dire que je ne peux pas préparer de classe. Je ne peux pas non plus me projeter dans ma classe. Je peux même pas préparer mon premier jour de rentrée, puisque les choses vont être totalement différentes si j'ai des petites sections, si je suis en maternelle ou si je suis avec des CM2. Une rentrée chaotique, loin d'être une exception. Et ce n'est pas Amélie Suel qui dira le contraire. En 9 ans, cette professeure des écoles n'a jamais enseigné 2 fois dans le même établissement, souvent à regret. J'ai beaucoup aimé travailler dans cette école, mais je n'ai pas pu y rester parce que le jeu des affectations se fait au barème et que j'avais un barème peu élevé avec l'ancienneté, mes conditions personnelles. Et du coup, j'ai dû changer d'école. Salaire de début de carrière, 1 600 € net par mois. 1 800 au bout de 9 ans d'ancienneté. Lassée de voir ses conditions de travail se dégrader, elle a aujourd'hui décidé de quitter l'éducation nationale. Il y a un manque de reconnaissance de la part de l'institution, ça c'est une évidence, où on nous demande en permanence de nous adapter, de faire plus, de faire différemment. On a l'impression qu'on se moque de nous, hein. C'est ce qui s'est passé notamment avec l'ancien ministre Blanquer, où il y a eu beaucoup de déclarations qui étaient très, très méprisantes, il faut le dire. Et ça, c'est très dur à vivre quand on se bat au quotidien pour faire progresser les élèves, qu'on s'investit énormément en temps, émotionnellement également. C'est difficile d'être confronté à ça. Une crise des vocations à laquelle entend répondre le gouvernement, en promettant notamment des revalorisations salariales. Emmanuel Macron s'est engagé à ce qu'aucun professeur ne débute sa carrière à moins de 2 000 € net par mois dès l'année prochaine.